Et regardez bien, l'artiste il fait le dessin d'abord avec la sève. Et après il va faire des dégradés, du plus foncé au plus clair pour faire sortir des ombrages de dégradation. Donc cette technique aussi vient de l'école de Beaux-Arts. Il y a Léopold Sédar Senghor qui avait créé l'école de Beaux-Arts pour faire la promotion de l'art africain. Donc la technique est typiquement africaine, ce n'est pas chinois. Voilà, il fait bien regarder. Il va terminer le dessin, il commence du plus foncé au plus clair. Contrairement à la peinture, vous savez, la peinture d'habitude c'est du plus clair au plus foncé. Alors il faut bien regarder pour ne pas dire que c'est la magie. Hein. Regardez, là il dessine à main levée avec le pinceau, au lieu de dessiner avec le crayon, mais à main levée. Maintenant il commence du plus foncé au plus clair. Après il va les secouer, on va voir le résultat de ça. Maintenant c'est comme ça qu'on réalise les tableaux sablés. Alors là, il va le mettre ici au soleil normalement, donc dans 10 à 15 minutes. Et là, il faut que ça sèche bien d'abord, après il revient pour le terminer.